Vous êtes le Centre Symphorien. L'association Le Centre Symphorien d'insertion. Je suis la fondatrice et directrice Marie-Paul Sautornet. Donc là, vous avez l'association comme personne n'a jamais vu. C'est l'association post-Irma. C'est-à-dire nous sommes encore sous les vaches. Et donc on fait avec les moyens. Nous essayons de recevoir tous les mercredis, tous les samedis, on le fera tous les vendredis pour les lycéens qui sortent de l'école à midi, lycéens de quartier d'Orléans. Pour tout ce qui concerne les activités avec nos partenaires, que ce soit la sophrologie, avec SXM Zénitude, avec l'équipe effectivement de Skype. Donc pour faire les activités de cerveau-long avec les enfants, l'aide aux devoirs, avec nos bénévoles, avec Fuchsia et puis la partie PRO également dans les écoles. Donc c'est le projet aujourd'hui de CSI, c'est occuper ces enfants et éviter, comme je disais, l'augmentation de la délinquance et avoir plus de jeunes en prison. On va commencer aujourd'hui à tailler les cerveau-longs. Je vais vous donner ce qu'on appelle un gabarit, c'est un modèle. Il est là. On va mettre le carton sur un morceau de plastique et avec des crayons, on va tracer le tour, comme c'est montré sur le petit dessin de l'étagère. Vous en sortez les gars? Voilà. Parfait, c'est bien. Où tu veux le mettre? Là, là, là. Alors tu fais là-bas, comme tu veux. Voilà, très jolie Nadine. Oui, c'est vraiment beautiful. To the sky, and that we are alive.